me confie dans le nom du Seigneur. Oui, je lève les mains, je lève les mains dans le nom du Seigneur. Je danse de joie, je danse de joie dans le nom du Seigneur. Au-dessus des cieux.
Personne ne peut salir. Un nom qui est plus blanc que neige et qui peut briser des cœurs, qui peut changer des situations, qui peut sauver des personnes. Un nom merveilleux. Le nom de Jésus. Si un nom est digne d'hommage.
Je vais inviter les personnes qui ont été désignées pour la Sainte Cène à s'approcher. On va rentrer dans ce temps où on se rappelle du sacrifice que Dieu a fait à la croix pour nous et de l'alliance qu'il a scellée avec nous, son peuple. Et je pense que c'est le jour le plus important de notre vie, même si nous n'étions pas là. Thank you.
je viens à tes pieds, humblement je me tiens devant ta majesté. En toi je sais que j'ai tout trouvé, dans ton amour sans fin, dans ton amour sans fin.
Alléluia. C'est bon d'adorer Dieu. C'est un plaisir aussi d'être avec vous pour adorer Dieu. J'espère que vous allez bien. Comment allez-vous? Ouais, ça va. La semaine était peut-être dure pour certains. Vous avez eu peut-être les pieds dans l'eau, je ne sais pas. Est-ce que vous venez du 77, du 91? Est-ce que vous êtes venu avec vos bottes? Non, je ne sais pas. Non, apparemment, non. C'est quand même incroyable ce qu'on a vécu cette semaine. Et c'est vrai que le fait de venir se ressourcer, quand des fois tout va mal, se ressourcer auprès de Dieu, c'est là vraiment notre bien. Et c'est vrai que ça fait du bien d'être ensemble dans la louange. En tout cas, c'est un plaisir d'être là. Alors du coup, vous voyez, on va encore se bénir au travers de la parole de Dieu. Je vais vous partager une pensée que j'ai sur mon cœur. Et du coup, je voudrais vraiment qu'on puisse juste demander à Dieu de nous bénir au travers de ce message. Donc vraiment que Dieu nous bénisse. On va juste demander à Dieu de bénir par la prière. Seigneur mon Dieu, on te remercie parce que tu nous permets d'être ensemble, Seigneur, dans ce lieu. Seigneur mon Dieu, on est conscient de ta présence ici avec nous. Et Seigneur, je te prie vraiment que ton esprit dispose nos cœurs à recevoir ta pensée. Seigneur mon Dieu, vraiment ouvre nos yeux, Seigneur. Dispose mon cœur aussi à communiquer. Mais Seigneur, je crois vraiment que tu vas encore nous communiquer quelque chose de bon qui va changer nos vies, qui va encore vraiment, mon Dieu, nous amener à plus vouloir t'adorer, Seigneur. C'est là, mon Dieu, notre prière au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Amen. Alors du coup, pour ce matin, cet après-midi maintenant, alors je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de déjeuner, je vais avoir vraiment besoin de votre attention si vous êtes en période de digestion. Bonjour à tous ceux qui sont également sur Internet, qui nous suivent peut-être à midi, à table ou autre. Vraiment aussi, gardez votre attention. On est parti pour 30 minutes. Je voudrais juste qu'on prenne un texte que l'on connaît, mais qui m'a encore beaucoup parlé lorsque je l'ai relu cette semaine et qui nous montre en réalité une vérité qui a un impact vraiment important sur notre vie passée, sur notre vie présente et sur notre vie future. C'est vraiment quelque chose qui touche à nous-mêmes puisque c'est à notre identité que Paul fait référence dans ce verset. Et j'aimerais vous inviter à lire donc dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17, ça va être le fil conducteur de notre message. Il est dit, si quelqu'un... Vous le connaissez tous, hein, donc on peut peut-être même le dire ensemble. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. On connaît parfaitement ce verset, n'est-ce pas? C'est quelque chose qu'on redit et qu'on re-redit et re-re-re-redit. Sauf que des fois, en le redisant, on perd de vue tout ce que ça implique et tout ce que ça signifie. Et c'est tellement fort comme déclaration que Paul fait lorsqu'il explique ça. C'est que en Christ... Nous ne sommes plus les mêmes. Ça, c'est tellement important de le comprendre. Par Christ, nous avons vécu une transformation qui fait que notre vie passée n'est plus celle que Dieu nous destine à vivre pour aujourd'hui et pour notre avenir. C'est tellement important de comprendre ça, c'est qu'au moment où en Christ, nous avons quitté notre identité ancienne pour nous attacher à Jésus-Christ par la foi, eh bien, Paul dit que Dieu fait de nous des nouvelles créatures. On est transformés. Alors, quand on le dit, des fois, on comprend pas encore toute la mesure. Et j'aimerais juste qu'on voit cette vidéo ensemble pour savoir ce qu'est être une transformation, vivre une transformation. Écoutez bien. À partir de la 25e seconde, s'il vous plaît. Sono. Je suis tout seul là. Les gars, on démarrera pas sans la vidéo, alors dépêchez-vous. Ah. Thank you.
Waouh. Merci. Vous voyez ce beau papillon qui sort comme ça de sa chrysalide. Vous voyez, on vit une transformation et des fois en le voyant, ça nous parle peut-être plus concrètement que si on le dit. Ce qui se passe là dans cette vidéo, on voit qu'une petite larve, une petite chenille, quelque chose de pas très beau, vous voyez, se transforme et vit un processus de transformation pour devenir un papillon, un bel insecte qui a de belles ailes pour voler. Une larve, une chenille, ça mord la poussière, ça rampe par terre. Et en réalité, dans la création de Dieu, c'est vraiment beau. Dieu prévoit que cet être évolue, passe par un processus de transformation pour devenir une nouvelle créature. Waouh ! Et en réalité, ça reste une image peut-être imparfaite, mais qui nous montre ce que Dieu veut faire avec chacun d'entre nous, pour nous qui sommes ici et qui sommes en Christ. On voit que dans l'apôtre Paul, dans ce verset, nous dit que c'est en Christ que nous devenons une nouvelle créature et que les choses anciennes sont passées pour devenir nouvelles. Et plus exactement même, on me le faisait remarquer, c'est que les choses qui sont devenues nouvelles, la racine grecque veut dire en fait en devenant nouvelle. C'est un processus qui nous amène à vivre cette transformation encore aujourd'hui. Ce n'est pas une finalité au moment où on est en Christ. C'est que en Christ, on est continuellement en processus de transformation. Et c'est ce que Paul nous montre, c'est qu'en réalité, c'est une vérité spirituelle que Dieu nous fait vivre lorsqu'on se place en Christ. Si je vous parle de tout ça, c'est parce que bien souvent, des fois, en tant que chrétien, on ne prend pas connaissance de la nouvelle identité que nous avons en Christ. Je sais pas si vous réalisez en fait ce que je dis. C'est que bien souvent, quand on voit cette phrase-là et ce que Dieu produit en nous par la foi, c'est quelque chose de merveilleux. Sauf que des fois, avec le temps et les années, notre vie chrétienne, notre relation avec Dieu n'a rien de papillon. C'est pas quelque chose où des fois on sent avoir les ailes coupées. Notre vie chrétienne, on la porte un peu comme cette chenille, vous voyez, qui rampe sur le sol, qui mord la poussière, alors que Dieu, déjà, dès le départ, nous assure une nouvelle identité en Christ. C'est énorme. Si je vous donne un exemple concret, et c'est sur ça que je vais vraiment développer, c'est que quand j'ai donné ma vie à Jésus, j'ai vécu une expérience merveilleuse, tout comme vous certainement qui avez vécu cette expérience. Sauf que les années qui ont suivi, bien souvent, en fait, j'étais tellement angoissé et tellement imparfait, et je me voyais tellement imparfait que je me torturais l'esprit. Ces 5 premières années de ma conversion m'amenaient à avoir même à vouloir faire quelque chose, à vouloir plaire à Dieu par mes propres forces, alors que Dieu, déjà, dans son amour, m'avait donné une identité qui était vraiment importante à saisir, celle d'être en Christ. Et en réalité, ces 5 premières années, je le portais comme un boulet. Je vais vous expliquer un peu de quoi il advient dans le suite de la prédication. Mais en réalité, je traînais ma vie chrétienne au point que, parce que je me voyais pas parfait, parce que je voyais qu'encore en moi, il y avait des choses qui allaient pas, alors que je voulais vraiment mettre la barre très haute et le faire par mes propres efforts, j'en avais même des crises d'angoisse dans la nuit. Je me dis, mais c'est ça être chrétien, mais c'est ça être ta nouvelle vie en Christ. Tu vis quelque chose qui devrait être bon, alors qu'en réalité, tu te tortures, ça devient un calvaire. Le fait de pouvoir vivre une relation avec Dieu, c'était quelque chose qui devenait presque superficiel par rapport à toute la montagne de ce que je devais faire et de ce que je devais pas faire. Et en général, des fois, lorsque on évolue dans notre vie chrétienne, notre aspect religieux nous amène plus à chercher à faire pour être, alors que Dieu nous dit qu'il a fait pour nous quelque chose qui nous amène à être. Vous voyez la différence ? Et ça, c'est vraiment important de comprendre que nous sommes une nouvelle création. Nous sommes, vous êtes, non pas parce que vous faites, mais tout simplement parce que Dieu vous a donné une nouvelle identité. En Christ, et on va le découvrir. Est-ce que vous êtes avec moi ? Vous êtes toujours là ? Oh, vous êtes déjà perdu. Non, merci bien. Premier point, j'ai changé d'identité. Tu as changé d'identité si tu es en Christ. Et c'est important de comprendre qu'en réalité, tu passes d'un état à un autre, une nouvelle identité. Et comment on peut savoir qu'on a passé d'une nouvelle identité en Christ ? Eh bien, ça nous ramène à l'origine. Il faut savoir que depuis le départ, la Bible nous dit et nous présente que notre ancêtre Adam avait une identité qui était à l'image de Dieu. Vous connaissez ça dans Genèse, à l'image de Dieu. Dieu nous a créés à son image. Nous avons une identité en Christ, en Dieu à l'époque. Et ce qui se passe, c'est que, en réalité, cette communion parfaite que nous vivions était juste l'objectif de Dieu, le désir de Dieu pour chacun d'entre nous. Et ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment donné, l'humanité est tombée dans une crise d'identité profonde par un mensonge. Le mensonge est le suivant.
Le diable est venu, et alors qu'il s'est présenté à eux, Dieu leur avait dit, je vous donne tout, seulement ne prenez pas l'arbre de la connaissance du bien, le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, sinon vous mourrez. En réalité, il dit à Adam et à Ève, si tu le prends, en fait, si tu le prends, Dieu ne veut pas que tu le prennes, pardon, parce qu'il sait que si tu le prendras, eh bien, en fait, tu auras la même intelligence que Dieu et tu seras comme Dieu. Et en réalité, en prenant ce fruit pour être comme Dieu, eh bien, l'humanité s'est séparée totalement de Dieu. Et ce qui se passe, c'est que, alors que nous avions une identité en Dieu, à son image, en réalité, cet acte-là, montrer le simple fait de pouvoir mettre Dieu en dehors de nos vies, pour vivre à notre image, pour vivre selon nos désirs, pour vivre comme si nous étions nos propres dieux. Et en réalité, aujourd'hui, nous sommes dans un monde sans Dieu, et quand on ouvre la télé, lorsqu'on sort de chez nous, on se rend compte que le monde sans Dieu, c'est le monde dans lequel nous vivons. Un monde de chaos, un monde où chacun essaye de trouver son identité, sa propre identité centrée sur lui-même. Alors que Dieu, vous, à l'origine, nous avait conçus pour pouvoir avoir une identité en lui. Mais les hommes ne veulent plus parce qu'ils veulent être leur propre Dieu. Et ce qui se passe, c'est que, en réalité, lorsqu'il y a eu cet acte de désobéissance, ce fossé qui s'est creusé, en réalité, la Bible l'explique comme si c'était un virus que l'humanité avait attrapé au moment de cette désobéissance en Adam. Et ce virus s'appelle le péché. Je ne sais pas si vous savez un petit peu, quand des fois on entend parler du virus Ebola, d'autres virus encore qui se propagent d'une manière incroyable qu'on ne peut pas arrêter, et qui se propagent et qui se communiquent. En réalité, un virus, c'est puissant et c'est destructeur. Mais l'humanité a vécu son plus grand virus par le péché. Et ce qui se passe, c'est qu'en Adam, la Bible nous dit, nous qui sommes ses ancêtres après autant de générations, on vit encore avec ce virus qui nous a été transmis par nos parents et par nos autres parents. Bienvenue dans cette identité qui nous a été communiquée par Dieu, par Adam. Et ce qui se passe, c'est que Paul va nous expliquer que ce virus, il est encore en nous et qu'on ne peut rien faire pour l'arrêter. On le voit dans Romains chapitre 7, versets 14 à 20. Au tout début de Romains, en réalité, il va expliquer que les hommes sont pleins de vices, de jalousie, de meurtre, de querelle, de trahison, de perversité. Ce sont des médisants, des calomniateurs. La liste est longue et il commence à la faire comme ça, à étaler tout ce que produit le péché, le virus du péché dans l'homme. Et ce qui se passe, c'est qu'à un moment donné, lorsqu'on prend tout ça, un par un, le vice, le meurtre ou autre, on se dit, mais oui, mais attends, moi je suis pas meurtrier, David. Moi, je suis pas si mal que ça en réalité. Je sais pas comment vous trouvez que vous êtes. En réalité, des fois, on peut se dire, mais en fait, bon, moi je fais des bonnes actions. Des fois, je fais ma bonne action de la journée. J'essaye de m'acheter une identité. J'essaye de m'acheter une conscience aussi. Et en réalité, des fois, on peut se dire, mais moi, le péché, je connais pas. La première question que je voudrais vous dire, c'est demande à ta femme si le péché n'est pas en toi. Demande à tes enfants ce qu'ils pensent de toi. Est-ce qu'ils te trouvent parfait ? Est-ce que des fois, quand tu te regardes dans la glace, honnêtement, quand tu vois le bilan de ta vie, ce que tu produis, tu peux dire honnêtement, j'ai rien à me reprocher, je suis pas mal comme mec. Je suis pas mal comme fille. Je suis pas trop... Non, ça va. Clairement, quand on fait le bilan de notre vie et qu'on analyse ce que nous avons vécu, on peut se rendre compte qu'il y a des domaines dans nos vies où on n'est pas fier. Des domaines dans nos vies où on peut se dire, ah là, non. Et des fois, c'est quelque chose qui nous poursuit parce qu'on se dit, mais comment je vais faire pour me séparer de ce genre de choses ? Des fois, on se dit, c'est la dernière fois. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé de dire ça. C'est la dernière fois que je fais ça. C'est la dernière fois que je dis ça. Je te promets, chérie, c'est la dernière fois. Et en réalité, on fait le constat que ça ne change pas. On est pareil. Pourquoi ? Parce qu'en fait, le virus du péché nous amène toujours et toujours à faire le mal. Toujours à faire des choses qu'on ne veut pas. Et Paul va le faire, il va le dire. Il dit dans Romains 7, 14 à 20, il dit, « Mais moi, je ne suis qu'un homme vendu comme esclave au péché. En effet, je ne comprends pas ce que je fais. Je ne fais pas ce que je veux, et c'est ce que je déteste que je fais. Et si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. En réalité, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Car je sais que le bien n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ce que je suis par nature. Vouloir le bien est à m'apporter, mais non l'accomplir. J'aimerais faire le bien, mais j'y arrive pas. Je ne fais pas le bien que je veux, je fais le mal que je ne veux pas. Le bien que je veux, je ne le fais pas, mais le mal que je ne veux pas, je le commets. » Vous me suivez là, hein, ça va ? Si donc je ne fais pas ce que je veux, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Et là, voyez, comme Paul,
on se dit, mais le constat, il est là, c'est que j'aimerais être bon. J'aimerais faire les choses bien. J'aimerais, chérie, pouvoir être le meilleur mari. J'aimerais, fiston, pouvoir te dire que, voilà, je suis un gars que tu devrais suivre, tu devrais imiter. Sauf qu'au fond de moi, je vois très bien qu'il y a des choses, et tu le vois toi-même, qu'il y a des choses qui ne vont pas. Et Paul va dire, malheureux que je suis. Qui me délivrera de cette mort qui est ma vie? Malheureux que je suis. Qui me délivrera de cette mort qui est ma vie? Et Paul va dire, Dieu soit loué, c'est par Jésus-Christ, notre Seigneur. Dieu soit loué. Est-ce que vous comprenez qu'en réalité, et là, c'est Paul montre quelque chose de bon, c'est que il va dire, qui me délivrera du corps de cette mort? Qui me délivrera? En fait, il y a des fois, bien souvent, on essaye de se donner des bonnes résolutions pour changer. Des bonnes pratiques, des bonnes attitudes. Des fois, c'est même passer par une thérapie. Des fois, c'est prendre une religion. Des fois, c'est bonnes habitudes qu'on prend. On va dire, voilà, je vais faire ci, je vais faire ça. En soi, ça peut te donner une bonne hygiène de vie, mais ça ne changera jamais le fond de ton cœur. Ça ne changera jamais qui tu es au fond de toi, puisqu'au fond de toi, en réalité, il y a ce virus qui continue à t'amener à faire le mal. Et c'est pourquoi, en fait, Dieu ne dit pas quoi me délivre, qu'est-ce qu'il me délivrera de cette mort. Ce n'est pas un quoi qui peut nous délivrer, c'est un qui. Qui? En fait, Paul pointe l'antidote, non pas sur un quoi, mais sur une personne. Qui me délivrera du corps de cette mort? Eh bien, grâce soit rendue à Jésus-Christ. C'est Jésus. Et voilà une chose, c'est qu'en réalité, du coup, le point de départ de notre identité et le point de départ de notre transformation, elle passe non pas par nos propres efforts, elle passe par ce que Christ a fait pour nous. Vous êtes toujours là? B, maintenant je suis en Christ. J'aimerais vous montrer juste encore une petite vidéo pour vous montrer ce que Christ produit dans celui qui se place en lui. C'est très important et très intéressant, regardez. Il n'y a pas de son, mais par contre c'est trois vers où l'un est nous, l'autre c'est le péché qui se déverse en nous, voyez. Contamination, notre nature voilà, parfaite est dénaturée par le péché. Et là, Christ vient se déverser en nous. Être en Christ, c'est Christ qui se déverse en nous. Il nous donne son identité, il nous donne son amour. Et voilà ce qui se passe. C'est que du coup, le péché ne contamine pas Christ. Il a la puissance en lui d'avoir cet antidote de transformer le péché. Et ce qui se passe, c'est que quand Christ se déverse dans le péché, il transforme le péché et le nettoie, le tue à la racine. Voilà ce qui se passe lorsque tu es en Christ. Et c'est très important de comprendre en réalité comment Christ a produit cette chose. C'est que on voit une chose, c'est que Dieu, voyant que notre situation n'était pas solutionnable par nous-mêmes, et il le savait, c'est plus fort que nous, ça agit et c'est plus fort que nous. Eh bien, par amour, a pris le corps de notre humanité contaminée, a vécu sur terre pour une mission, la croix. On connaît tous l'histoire de la croix. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Et ce qui se passe, c'est que quand Jésus est venu sur la croix, le péché n'a pu le terrasser, il n'a pas commis de péché. Mais par contre, par amour pour nous, il s'est offert à la croix. Pourquoi? Parce qu'en fait, la Bible nous parle que le péché conduit à la mort et que cette sentence nous est tous réservée à nous qui avons commis le péché. Mais Romain va dire dans Romains chapitre 3, verset 24, ils sont déclarés, il parle des chrétiens, ils sont déclarés juste par sa grâce. C'est un don que Dieu leur fait par le moyen de la délivrance apportée par Jésus-Christ. C'est un don. Et en fait, par le moyen de la délivrance, ça fait référence à un mot qu'on appelle le mot rédemption. C'est un mot compliqué des fois qu'on utilise, mais qui fait référence en fait à un rachat. Je ne sais pas si vous savez, mais à l'époque de Paul, il y avait encore des esclaves qui étaient vendus sur un marché aux esclaves. Et ce qui se passe, c'est que pour qu'un esclave puisse retrouver sa liberté, il était nécessaire que quelqu'un qui était assez riche, assez puissant, puisse se présenter, payer sa liberté pour qu'il soit libre. Et en réalité, une chose est sûre, c'est que quand Christ s'est présenté et qu'il a payé à notre place par son sang qui a été versé, en fait, c'est Christ qui a payé notre dette sur le marché de notre esclavage, du péché, pour nous permettre d'être libres. Et on voit une chose en réalité, c'est que ce que Christ a accompli, eh bien, c'est qu'il nous a acheté notre nouvelle identité. Comprenons qu'en réalité, notre identité en Christ, quand on comprend tout ce que ça implique et la valeur que ça a, c'est que ça a la valeur de l'amour de Dieu que Dieu a mis en son Fils qui est mort à la croix pour nous. C'est juste incroyable. Dieu n'avait pas besoin de nous, mais il nous aime. C'est là sa raison première, de venir nous sauver.
Et en réalité, quand on comprend ça, eh bien, celui qui comprend tout ce que Christ représente et tout ce que Christ a accompli, alors qu'il est face à ses échecs, qu'il est face à ses limites, quand il a compris que sa vie sans Dieu, c'est aller droit dans le mur parce que jusqu'à présent, il a essayé, il a réessayé, il a réessayé. Et on est comme ça. Bien souvent, avant de connaître Christ, on a essayé parce qu'on pensait être capable de pouvoir nous en sortir seul. Sauf que après avoir essuyé et essuyé des échecs, et des échecs, être à bout de force, eh bien, Christ nous tend la main et nous dit, tu ne peux pas lutter contre toi, contre toi-même. Tu as besoin de moi. Et en réalité, quand Christ se présente à nous, c'est avec un regard d'amour qui nous invite non pas, à être jugé par ce que nous sommes. Notre identité n'est pas que Dieu nous voit comme des coupables, comme des gens sales. Il nous regarde avec des gens, avec plein d'amour pour nous dire, je sais que tu es dans cet état-là, mais moi je ne veux pas que tu restes dans cet état-là. Je veux que tu sois une nouvelle personne, une nouvelle identité. C'est pourquoi j'ai payé pour toi. Et aujourd'hui, en réalité, on comprend une chose, c'est que notre identité ne peut pas être reçue par nos propres efforts, mais uniquement par le don que Dieu nous fait, qui est à recevoir par la foi. Éphésiens nous dit, c'est par la foi, par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. C'est pas par toi-même. C'est un don de Dieu. Et ce qui se passe, c'est que du coup, il faut comprendre que Christ a tout accompli et que ce n'est pas toi qui fais pour être sauvé. Ce n'est pas toi qui fais pour être un enfant de Dieu. Ce n'est pas toi qui fais pour être saint. Ce n'est pas toi qui fais pour être puissant. Mais en réalité, Christ, dans son amour, déverse son amour en nous comme il l'a fait et nous appelle à être enfants de Dieu et nous traite comme un enfant de Dieu, déverse sa sainteté en nous et fait de nous des gens saints, déverse sa puissance en nous qui nous permet de ne pas rester dans notre état, mais bien au contraire d'avoir les ressources surnaturelles pour ne pas rester tels que nous sommes. Et je dis amen. Maintenant je suis en Christ, qui me délivrera du corps de cette mort? Jésus-Christ. Deuxième partie, être ou faire? Je pourrais dire telle est la question. Parce que vous voyez, bien souvent, c'est le propre de l'homme. Accepter notre identité comme un don gratuit, immérité. Recevoir l'amour de Dieu est immérité. On ne devrait pas le recevoir. Quand on se regarde et qu'on se dit, mais on a toujours vécu sans Dieu, on a toujours agi, on a de quoi rougir. Dieu nous aime, mais c'est immérité. L'amour qu'il nous communique est immérité. La sainteté qu'il nous communique est immérité. C'est un statut qu'il nous donne. Je ne sais pas si vous avez rendu compte, mais est-ce que vous êtes saints, les amis? Pourtant, Dieu dit que vous êtes saints. Paul va s'adresser à toutes les lettres, dans toutes les lettres qu'il adresse aux églises, comment il les appelle en début de lettre à tous les saints. Il n'y a pas un problème? Vous comprenez? En fait, Paul utilise le langage de Dieu à notre égard, à tous les saints. Alors que nous, dans notre identité telle qu'on le voit, on se dit, punaise, je suis pécheur, je suis crade, je suis souillé. Et en fait, on s'attend juste à entendre de la part de Dieu, bonjour les pécheurs. Ça va bien ce matin les pécheurs? Bande de pécheurs. Vous allez bien? Ça vous fait plaisir que je vous appelle bande de pécheurs? Ah ouais, ça... Vous comprenez l'idée? Dieu ne nous voit pas comme nous nous voyons, parce qu'en réalité, il voit Christ en nous. Le verre de Christ se déverse en nous. Et tout ce qui vient de Christ, son identité, tout ce qu'il a de meilleur est déversé en nous par amour pour nous. Il nous considère comme ses enfants. Moi, je veux le meilleur pour mon enfant. Il a 2 ans, je peux vous assurer que je veux le meilleur pour lui. Et comprenez-moi, en réalité, c'est que c'est mon fils. C'est mon fils. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui ne peut pas s'expliquer. Il vient de moi. Ah, il vient de moi. Est-ce que je peux lui dire, Nathan, t'es un sale pécheur. Nathan, t'es vraiment crade. Je peux... Non. En moi, toutes mes tripes amènent à regarder mon fils avec amour et à faire tout pour me battre pour que mon fils réussisse dans la vie. Et vous voyez, ça, c'est le cœur de Dieu. Je pense à tous les religieux dont je fais partie, ou je faisais partie, qui disent, ouais, mais là, David, tu laisses le péché rentrer dans la maison de Dieu. Tu ne parles pas du fait que la grâce, c'est bien, mais il faut se conduire avec droiture dans la maison de Dieu. Vous avez déjà entendu parler de ça ou pas? Ça vous est déjà arrivé de penser comme ça? Effectivement, je vais y venir. Mais en réalité, notre esprit religieux nous amène bien souvent à chercher à faire les choses pour être,
Alors qu'en réalité, Dieu nous a donné notre identité d'enfant de Dieu, notre identité de saint, notre identité d'ambassadeur. Il fait de nous des ambassadeurs, nous dit Christ. On le représente. Il nous a donné tout ça, non pas par ce que nous faisons, mais uniquement parce qu'il a accompli ce que nous ne pouvions pas faire. Waouh ! C'est énorme. Et ça, en réalité, faut comprendre juste que tu ne pourras jamais changer cette vérité. Et ce qui se passe, c'est que bien souvent, quand on est chrétien et religieux, eh bien, et qu'on a tendance à virer vers le religieux sur le faire et le ne pas faire. Tu ne dois faire, tu ne dois pas faire. Et bien souvent, on accepte la grâce par la foi, avec le Saint-Esprit qui est en nous. Mais par contre, maintenant que tu es sauvé par la grâce, on se dit, t'as intérêt à marcher droit, quoi. Sauf que Dieu ne nous regarde pas comme ça. Il nous dit, tu as été sauvé par la grâce, j'ai mis le Saint-Esprit en toi, tu as mon esprit en toi. Et je veux que tu continues avec le Saint-Esprit pour continuer ton processus de transformation. Et ça, ça fait toute la différence. Je vais vous expliquer une petite anecdote. Quand je me suis fait baptiser, comme j'ai expliqué, j'étais très religieux parce qu'en réalité, je côtoyais aussi des gens qui étaient cette vision très biaisée en réalité du rapport avec Dieu. On peut vite tomber dans l'esprit religieux, dans le faire ou le ne pas faire. Et puis voilà, faut s'imposer ça parce que si on ne fait pas ça, on n'est pas des chrétiens. Dieu nous dit pas ça. Il sait qu'on a une lutte interne. Par contre, il nous dit, je t'enlève de la pression, je sais que tu luttes. Mais je te considère comme un saint, je te considère comme mon enfant. Relâche la pression. Étant conscient de ton identité, tu ne vas plus te comporter de la même manière parce que tu vas avoir du gaz pour faire les choses différemment. Et en fait, quand on est approuvé de Dieu, je peux vous assurer que ça nous donne du gaz pour avancer. Parce qu'on reçoit quelque chose de sa part. Mais ce qui se passe, c'est que dans mes premières années de conversion, alors j'étais sauvé par grâce et que j'avais vécu vraiment ce bonheur d'être avec Dieu, de sentir son amour. Vous vous rappelez le jour de votre conversion ? Il y a quelque chose qui s'est transformé à l'intérieur de vous. Quelque chose qui a fait que tu dis, mais je sens que Dieu, il est vraiment avec moi. Je sens qu'il est avec moi. Et sauf que plus le temps passe et quand tu développes ta relation avec Dieu, tu vois que bah, tu es quand même encore face à tes difficultés, face à tes limites. Et là, tu te dis, oh là là, mais comment je vais faire, comment je vais faire? Et tu vas t'imposer plein de règles pour devenir saint, pour être aimé de Dieu. Et c'était dans ce vers quoi j'avançais en réalité. Et parce que du coup, je sentais que je culpabilisais si je n'avais pas un temps comme on me l'avait imposé et on me l'avait suggéré de pouvoir se lever tôt le matin, prier 1h30 à 14 ans, à l'heure de 5h30 du matin jusqu'à peut-être 7h du matin. Vous voyez, je me levais chaque matin, non plus parce que j'avais envie de rencontrer Dieu, mais parce que je devais me lever le matin. Parce que si je me levais pas le matin, je sais que Dieu était pas content. Et que du coup, parce que Dieu n'est pas content, eh bien, je commençais à perdre mon identité en Christ. Vous voyez l'idée? Et en fait, un beau jour, mon frère s'est converti. Mon frère s'est converti. Il s'est fait baptiser. Et moi, alors que je voulais bien faire, je commençais à lui dire, Jonathan, pardon. Jonathan, ben maintenant que t'es baptisé, bienvenue dans la vie chrétienne. Demain matin, tout comme moi, tu vas te lever à 5h30 du matin, 6h. Et là, mon frère, il était encore en train de planer dans son amour, dans l'amour qu'il vivait, dans la relation qu'il vivait avec Dieu. C'était beau et tout ça. Et d'un coup, je lui dis ça, et puis paf, sa tête commence à changer. Il dit, ah bon ? Ah bon ? On m'avait pas dit ça. On m'avait pas vendu le projet de cette manière-là. Faut que je me lève à 5h30, David. Bah oui, mais attends, tu vas recevoir des révélations de Dieu à 5h30 du matin, tu vas pouvoir te développer. Moi, hypocrite que je suis, en fait, je faisais sans vouloir lui... Vous voyez ? Mais c'est que j'étais tellement contaminé par un biais de mon identité et de la manière dont Dieu me voyait, vous voyez l'idée ? Alors qu'en réalité, Dieu n'attend pas de nous qu'on vienne sous la contrainte à l'église. Il n'attend pas de nous qu'on fasse les choses sous la contrainte par peur de perdre son identité. Nous sommes sauvés en Christ parce que c'est par grâce que nous sommes sauvés, par le moyen de la foi, et il n'y a rien à rajouter, c'est un don de Dieu, point, tu le reçois. Vous voyez l'idée ? C'est ça qui colle à notre identité. Et en fait, l'ADN même de notre identité en Christ, ça s'appelle la grâce. Si tu commences à rajouter des règles et des règles et des règles à cette identité, à la grâce, eh bien tu dénatures tout le projet que Dieu a voulu et qu'il insiste et qu'il martèle. La grâce, la grâce, la grâce. La grâce, c'est recevoir quelque chose d'immérité et de prendre conscience chaque jour que tu te lèves dans le matin en disant « Merci Seigneur pour la grâce que tu m'accordes de ne pas être perdu.
Je vais faire tous mes efforts par grâce pour t'aider, pour te ressembler, pour pouvoir faire les choses du mieux, pour que justement ma nouvelle nature soit en cohérence avec ce que tu es. Mais par contre, je vais me focaliser sur toi et non pas sur tout ce que je n'arrive pas encore à faire, parce que c'est en regardant à toi, c'est en pouvant juste apprécier qui tu es qu'en fait ça va m'amener à pouvoir changer. Et en réalité, quand je dis ça, c'est parce que je veux juste tordre l'idée que en véhiculant la grâce, en cultivant la grâce au sein de l'Église, eh bien, on laisse la porte grande ouverte au péché. C'est archi faux. La grâce, c'est le meilleur moyen à chacun ici, vous tous qui êtes pécheurs, saints mais pécheurs occasionnels. Mais comprenez bien, avant d'être pécheurs, vous êtes saints. Et vous êtes encore des saints qui pêchent en Christ. Parce qu'en réalité, la foi que vous mettez en Jésus-Christ, c'est-à-dire que la compréhension que vous avez du don qui est en Dieu est trop précieux pour pouvoir vous laisser aller à votre ancienne nature, vu que vous avez une nouvelle nature, votre nouvelle nature vous amène à juste dire « Mais attends, mais je ne suis plus de la même manière, je ne suis plus composé de la même manière. Ma manière de vivre aujourd'hui n'est pas de rester dans mon état. Je suis une nouvelle nature, création en Christ. Donc je vais tout faire pour pouvoir lui ressembler, mais juste en me concentrant et en étant uni à Christ. » Et c'est ce que Paul dit, vous êtes une même plante avec lui. Je ne sais pas si vous comprenez l'idée. C'est qu'avant même de chercher à faire, c'est qu'en fait, la relation que nous avons avec Christ nous amène à nous développer. Et c'est ça qui est important, c'est de comprendre qu'à chaque fois que, dans notre marche quotidienne avec Dieu, chaque jour, nous péchons, les amis. On ne le veut pas et on se bat avec. Parce que la grâce nous amène à ne pas piétiner ce que Dieu a fait. Sauf que chaque jour, nous péchons. Qu'on le veuille ou non. Et en réalité, cette grâce que nous vivons, lorsque on la laisse continuellement alimenter notre vie, alimenter notre être par l'amour, par la sainteté, par l'identité que Christ dépose en nous, eh bien en fait, on continue à avancer. La grâce est l'essence qui nous permet de continuellement avancer dans notre vie, jour après jour, pour être en communion avec Dieu, recevoir cet épanouissement et être transformé. Vous êtes toujours là ? En Christ, tout est accompli. Et alors, vous voyez, Paul, on lui reprochait de prêcher la grâce de cette manière. Mais en réalité, Paul va dire, mais attendez, je suis d'accord avec vous, persisterons-nous dans le péché pour que la grâce abonde ? Loin de là, puisque nous sommes morts par rapport au péché, comment pourrions-nous encore vivre dans le péché ? On voit une chose, c'est que Tite aussi nous parle d'un point très important sur la grâce. C'est que la grâce de Dieu s'est révélée comme une source de salut pour tous les hommes. Elle nous éduque la grâce. Et nous emmène à nous détourner de tout mépris de Dieu et à rejeter les passions des gens de ce monde. La grâce nous éduque. La loi, le légalisme, c'est-à-dire le « tu dois faire et tu ne dois pas faire », nous amènera constamment à cacher notre péché par peur de se prendre une fessée de la part de Dieu. Alors qu'en réalité, la grâce et du coup l'identité qui découle de la grâce nous amènera toujours par l'amour que nous avons pour Dieu et l'amour que Dieu a pour nous à revenir repentant devant lui en lui disant « ok papa ». Je te demande pardon, je sais que je me suis sali là. Je ne veux pas rester comme ça et je veux changer. Mais parce que je sais qui je suis en toi, je viens auprès de toi et je trouve cette sainteté que tu m'as acquise à la croix. Et ça change toute notre perception de la vie chrétienne. Je ne dois pas faire pour être. Par contre, point B, c'est parce que je suis que je fais. C'est parce que nous sommes en Christ que nous faisons. C'est parce que Dieu nous a donné cette identité et que nous prenons conscience de l'identité qui nous est acquise dès le départ que nous allons faire. Vous voyez l'idée ? On ne va pas faire pour être chrétien. On ne va pas multiplier les efforts insensés pour être alors que Dieu a fait. Mais par contre, parce que nous sommes en Christ chrétiens, lavés, purifiés, enfants de Dieu, eh bien Dieu nous amène à faire. Et ce qui se passe, c'est comment il s'y prend ? Eh bien, Paul va nous expliquer à un moment donné ce qui se passe lorsque nous devenons enfants de Dieu, à savoir que le Saint-Esprit vient en nous. Lorsque le Saint-Esprit vient en nous, on vit un miracle, c'est que notre esprit à l'intérieur qui est mort, eh bien, est ressuscité par l'Esprit de Dieu qui vient en nous. Et en fait, alors qu'on reprend vie, cette partie de nous, corps, âme et esprit, donc l'âme, l'esprit qui est la sensibilité à Dieu, le fait de pouvoir rentrer en connexion, eh bien, est ressuscité. Donc ça veut dire qu'on vit en communion avec Dieu, par le Saint-Esprit en nous, et ça c'est un miracle. Mais ce qui se passe, c'est qu'au moment où le Saint-Esprit vient en nous, eh bien, le processus de transformation débute. C'est comme une horloge, paf, le chrono démarre.
processus de transformation qui s'opère. Et ce qui se passe, c'est que Paul va un moment parler de la loi de l'esprit versus la loi de la chair. Ça vous parle ou pas? La loi du péché et de la mort. À un moment donné, donc ça c'est dans Romains, je vais vous le dire tout de suite, Romains chapitre 6, que je me trompe pas. Ah voilà, Romains chapitre 8, verset 1 à 2, il dit « Maintenant donc, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont unis à Jésus-Christ, car la loi de l'Esprit qui nous donne la vie dans l'union avec Christ a libéré de la loi du péché et de la mort. » En réalité, la loi du péché, c'est de continuellement nous amener à nous tirer vers le bas, à faire les choses qu'on ne veut pas. Et en réalité, ça c'est un cercle vicieux parce que le virus est en nous. Mais ce qui se passe, c'est que Dieu nous donne une loi supérieure au moment, et nous fait vivre une loi supérieure au moment où il prend place en nous par le Saint-Esprit. Et voyez, en fait, quand il parle de loi, il parle de lois spirituelles qui sont des lois auxquelles on est soumis. Et quand je parle de loi, ça peut vous parler quand on parle de la loi de la gravité. Si je fais tomber cette bouteille, la loi de la gravité, si je lance cette bouteille, parce qu'il y a une loi, la loi de la gravité, la bouteille, elle tombe, c'est obligatoire. De la même manière, notre corps est soumis au péché. Et la loi du péché, c'est que ça nous amène à faire des choses dont on rougit encore. Sauf que quand Dieu nous dit « Je vous ai mis une loi supérieure, la loi de l'Esprit », c'est qu'en réalité, avec le Saint-Esprit que Dieu met en nous, eh bien, le processus se produit de transformation où il inverse. C'est comme si le péché, à l'intérieur de nous, progressivement, dans notre marche quotidienne de notre vie, est grignoté. Et ce qui se passe, c'est que, là, alors je l'ai mentionné là, mais on voit des fois qu'on est un peu découragé dans notre marche avec Dieu au quotidien, par rapport non pas à ce que Dieu nous a permis de vivre et ce qu'on a accompli grâce à Dieu, notre changement, mais on est focalisé sur ce qui reste à faire. On est focalisé encore sur nos limites et on dit « Mais pourquoi je suis encore comme ça? Comment je peux faire pour te plaire ?» Et des fois, on est encore coupable et on se sent coupable, on ne sait pas comment avancer. Je voudrais juste vous dire que Dieu, et Jésus va dire dans Jean qu'il est le cep et que parce que nous sommes greffés à lui, nous sommes unis à lui, eh bien, nous pouvons porter des fruits, du fruit. Et ce qui se passe, c'est qu'il dit aussi, et c'est Jésus qui dit, mais par contre, si vous n'êtes pas en moi, c'est fini les gars, vous n'y arriverez même pas. Et en réalité, ce que Dieu fait, c'est que notre quotidien avec Dieu, dans notre union avec Christ, eh bien, être en relation avec Dieu, l'adorer, continuellement se focaliser sur ce qui nous sommes en lui, l'amour, le plaisir de se retrouver avec lui, de se laisser peut-être remplir par lui, eh bien, nous amène à une transformation. Et c'est comme si on arrosait une terre qui est totalement desséchée. Eh bien, à chaque fois que tu commences à te mettre en communion avec Dieu, à l'adorer, à pouvoir recevoir son amour, à recevoir son pardon, à recevoir ses bénédictions, à te focaliser sur ce que Dieu t'a déjà donné, ton identité, eh bien, en réalité, c'est comme si Dieu arrosait cette terre, il a mis cette petite graine qui est ton identité au fond de ton petit cœur, et en réalité, au moment où il arrose, au bout d'un moment, comme une plante, il y a quelque chose qui se met à sortir. Et c'est pas instantané, en fait. Ce qui se passe, c'est que plus notre relation est arrosée par Dieu, par le Saint-Esprit, plus du coup, eh bien, en fait, Dieu développe en nous notre identité en Christ. Et ce qui se passe, c'est que, vous voyez, c'est quelque chose de spirituel. C'est quelque chose que l'on vit au moment où le Saint-Esprit agit en nous. Mais toute notre vie, en réalité, est tirée vers le haut par cette loi de l'Esprit qui agit en nous. Et on peut le voir dès le début de notre conversion. Quand on se convertit, on sent que l'amour de Dieu nous porte. On sent que c'est bon d'être avec Dieu. On sent qu'il y a des choses qui se produisent en nous. Il y a des changements. On ne peut même pas les expliquer quand on a donné notre vie à Christ. Imaginez un peu. Je m'arrête deux petites secondes. Je côtoie des personnes qui suivent les cours de baptême. Combien me disent « Maintenant que je suis avec Dieu, maintenant que j'ai donné ma vie à Christ, il y a ça, ça, ça dans ma vie qui a changé. » Je fumais, David. Ça faisait 15 ans que je fumais. Ça faisait 10 ans que je fumais. Subitement, j'ai plus eu envie de fumer. Il y a des pratiques, mon caractère change, David. Le fruit de l'esprit, la loi de l'esprit travaille. Il y a quelque chose, plus tu te mets au contact de Dieu, plus tu t'exposes à Dieu dans son amour, plus en fait Dieu te transforme. Et ce qui se passe, c'est que, voilà, là tu grandis, mais sauf qu'il y a encore du coup tes imperfections auxquelles tu dois faire face. Tu tombes. Ta marche avec Christ, être en Christ, c'est que là, au moment où tu tombes, t'as deux options. Soit tu dis j'arrête, j'y arriverai jamais. Et vous voyez, cet après-midi, peut-être qu'il y a des gens qui sont dans une situation où ils sont face à leur
à leurs échecs, face à leur situation, et il se dit, j'y arriverai jamais, j'arrête. C'était sur le point peut-être d'arrêter parce que découragé, tu dis, moi, Dieu, en fait, ça me sert pas à grand chose. T'as oublié que t'as déjà passé toute cette étape-là et tu es prêt à arrêter là, alors que Christ, lui, il te dit juste, j'ai payé pour toi. Il est là comme un supporter sur le terrain de la vie à dire, relève-toi, je t'ai donné la vie, j'ai permis que tu puisses avoir cette identité qui fait que tu vas redémarrer. J'ai mon amour, j'ai mon pardon, j'ai tout déversé en toi. Du coup, continue à te relever. Et celui qui se relève par la foi, recontinue la marche avec Dieu. Recontinue la marche avec Dieu. Ça peut arriver encore de tomber. Un saint peut encore pécher. Ça peut arriver, c'est pas qu'il doit, c'est qu'il peut encore arriver à pécher. Il se relève, et ainsi de suite. Et ce qui se passe, c'est que sur toute une vie, Dieu te tire vers le haut. Dieu t'amène à une transformation. Être une nouvelle créature, les amis, toutes choses sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. La racine grecque de « toutes choses sont devenues nouvelles », c'est qu'en fait, toutes choses sont en cours de devenir nouveau. La racine grecque, c'est en devenir, c'est quelque chose qui, c'est un processus qui est enclenché. Dieu, plus tu te livres à cette relation avec Dieu, plus Dieu, entre guillemets, t'amène à lui ressembler et à faire que ton identité qu'il t'a donnée est en cohérence avec ce que tu produis vraiment. Mais toutes ces choses-là, en réalité, n'ont qu'une source, être en Christ. Et c'est juste en Christ que tu peux l'être. Ce n'est pas par tes forces. J'aimerais vraiment qu'on puisse du coup considérer tout ce qu'on vient de dire. Je vais inviter la louange à s'avancer si c'est possible. L'équipe de musique n'est peut-être pas encore arrivée. Du coup, on va quand même, s'il vous plaît, les appeler. Mais je voudrais juste clôturer et conclure par quelque chose qui est vraiment important. C'est que notre processus de transformation, Dieu en réalité est conscient que par nous-mêmes, on n'y arrivera pas. Il nous donne notre identité. L'état, il l'a déjà accompli. Mais en réalité, la puissance qui nous permet d'être transformés, Dieu aussi nous la donne en réalité. Parce que le Saint-Esprit qui est en nous, nous amène à produire des choses qu'on ne pourrait pas produire par nous-mêmes. Si je vous dis ça, c'est que je l'ai vécu et je sais de quoi je parle en réalité. Au moment où j'étais dans ma situation, j'avais une vision biaisée de mon identité en Dieu et de ce que Dieu produisait en moi. Ce qui s'est passé, c'est que j'étais vraiment torturé. Je ne sais pas si je vous l'ai dit en fait, c'est qu'il y a des moments, j'étais en telle angoisse que j'avais mal physiquement. J'appelais mes parents pour dire... Papa, je ne sais pas comment on fait. Je ne sais pas ce qui m'arrive. Je veux tellement être parfait. Je veux vraiment arriver à plaire à Dieu, mais je n'y arrive pas. Et si c'est ça la vie en Christ, j'arrête. Et ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment donné, au bout de plusieurs années, Dieu m'a rempli de son esprit. Chose de dingue. Vous comprenez ? Il y a un moment donné, la loi de l'esprit s'est manifestée. Le fait d'être rempli du Saint-Esprit, je ne peux pas vous expliquer comment ça s'est produit, mais ça s'est produit. C'est que je voyais ma relation avec Dieu, mais d'une toute autre manière. Je respirais la grâce. C'est quelque chose qui ne peut pas s'expliquer. C'est comme si mes schémas, ma mentalité, tout ce que j'étais, la manière dont je me voyais, la manière dont je voyais Dieu, toutes ces choses-là, loin Dieu, Dieu est saint, Dieu est... Et c'est vrai qu'il est saint, mais Dieu t'aime aussi. Et en réalité, tout était comme biaisé spirituellement, j'étais aveuglé. Le Saint-Esprit m'a rempli, et ce qui s'est passé au moment où Dieu m'a rempli comme ça, eh bien... Je vivais d'une manière différente, je percevais Dieu d'une manière différente, je vivais uniquement par grâce, je réalisais tout ce que Dieu avait produit et en réalité, ça a juste donné une dimension totalement différente à ma vie en Christ. Je peux vous assurer qu'aujourd'hui, plus que jamais, je veux être parfait, plus que jamais. Mais en réalité, mon approche du fait de ressembler à Christ est totalement différente. Je suis comme porté par Christ. Le Saint-Esprit en moi m'amène, je peux vous assurer, je me sens des fois comme porté à faire des choses que je n'aurais jamais pu. Et en réalité, comment je me sens porté? Mais je sens qu'il y a une dose d'amour, une dose incroyable qui remplit mon être. C'est dur à expliquer parce qu'il faut le vivre en fait. Mais ce qui se passe, c'est que le Saint-Esprit produit tellement de bienfaits en moi, tellement de bonheur, je suis comblé, ça me rend épanoui, ça me donne juste envie de mieux connaître Dieu, de mieux l'aimer, ça me bouleverse à chaque fois quand je pense à ce que Christ a fait pour moi. Ça me transforme de l'intérieur. Rien que de penser que ma richesse, mon identité, elle est juste en Christ. C'est une richesse que personne ne pourra m'ôter. Elle est acquise définitivement. Je sais où je vais.
Je sais par qui je vis. Je sais que Dieu dans sa main tient ma vie. Je sais que quels que soient les aléas, quelles que soient les circonstances, quels que soient les moments où des fois c'est difficile, je sais que Christ est avec moi. C'est une assurance qui est en moi, ça vibre en moi. Est-ce que j'ai fait quelque chose pour ça? Rien. C'est Dieu en moi qui m'amène à me dire, David, t'es le meilleur. Je suis pas meilleur, mais Dieu, tu m'as vu. David, t'es le meilleur. J'ai mis ce qu'il y avait de meilleur en toi. Mon amour est en toi. Tout ce qui est de plus précieux est en toi. Tu ne dépends pas de toi-même. Je suis avec toi. Je marche avec toi. Je pense à toi. Je vis pour toi. Ça me booste. Ça, c'est Christ. Être en Christ, c'est ça. Ça nous amène à une transformation. Ça change notre vision du monde, ça change notre approche de Dieu. On voit Dieu d'une manière différente. Dieu est comme un père qui nous tend les bras et qui nous aime. Il veut juste une chose, il a investi en nous parce qu'il veut le meilleur pour nous. Comme moi je veux le meilleur pour mon garçon, je peux vous dire que je pourrais donner ma vie pour lui. Dieu nous aime tellement qu'il a donné sa vie pour nous. Il n'a pas parlé, il a fait. Et nous sommes. Quel bonheur de connaître Christ. Quel bonheur. Peut-être qu'aujourd'hui tu te vois comme quelqu'un de sale, tu te sens loin de Dieu. J'aimerais te dire une chose, la repentance, la confession des péchés, le fait de recentrer ton adoration non plus sur toi-même, mais sur Christ, t'amène à te restaurer dans ton identité. Il y a quelque chose qui se produit en toi au moment où chaque fois tu dis pardon mon Dieu, le Saint-Esprit t'approuve et du coup tu vis différemment. J'aimerais qu'on puisse se lever s'il vous plaît. Comment te vois-tu cet après-midi? Quelle est ton identité? Est-ce que tu comprends que Dieu, lui, il ne vit que pour toi, il a tout donné, il est à tes côtés, il t'estime alors que tu ne le mérites pas et on ne le mérite pas. Vraiment, retrouve cette identité. Et comment on peut le faire? Je vous inviterai juste à peut-être tendre à nouveau votre cœur vers Christ, peut-être pour tous ceux qui sont là pour la première fois ou qui ne connaissent peut-être même pas ce qu'est Christ. Mais qui connaissent leurs limites, donne ta vie à Christ aujourd'hui. Peut-être que pour toi aujourd'hui, c'est comme moi, tu vois ta vie en Christ, mais totalement dénaturée, tu te dis, c'est fade, tu as besoin plus que jamais encore du Saint-Esprit dans ta vie qui vienne te métamorphoser. J'aimerais prier pour toi. Peut-être que si c'est ton cas, alors dans ce cas-là, avant qu'on vienne adorer Christ pour qui il est, qu'on vienne encore l'élever, juste lève ta main comme un signe de « j'ai besoin de toi, mais je m'abandonne à toi, Jésus ». Je m'abandonne à toi, Jésus. Ça peut être un jour encore et un moment de transformation aujourd'hui par un élan de foi. Vous remettez encore votre vie entre les mains de Christ aujourd'hui. Par un moment de foi, tu peux ressortir transformé. Tu peux ressortir de ce lieu transformé avec juste un miracle qui se produit à l'intérieur de toi parce que Dieu aura agi. Si c'est ton cas, alors lève ta main. Tes mains se lèvent, mais je sens que vraiment encore d'autres voudraient franchir le pas, mais n'osent pas. Comme un élan de foi, lève ta main. Et invite le Saint-Esprit à pouvoir travailler ton cœur, déposer cet amour. Alléluia, alléluia. Seigneur Jésus, je te remets toutes ces personnes qui aujourd'hui réclament ta présence, réclament ta grâce, réclament ton amour, réclament un miracle de transformation en eux. Seigneur, je te remercie pour l'identité que tu nous donnes. Merci parce que nous sommes vraiment en transformation. Merci parce que nous savons tout en toi, nous sommes en toi, tout ce que nous sommes, c'est toi qui nous l'as donné et nous en sommes fiers. Sois loué Jésus, sois loué mon roi. Nous plions le genou devant toi, nous te demandons pardon, mais nous sommes pleins d'espoir quant à notre avenir. Alléluia. Au nom de Jésus, je te remets chaque personne, Père. Amen. Alléluia. Chantons ensemble, chantons, élevons Christ ensemble, encore quelques minutes. Alléluia. Les anges.
je prosterne. Droite du Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On aimerait souhaiter la bienvenue aux personnes qui sont de passage ou qui nous rejoignent. Est-ce que vous pouvez juste lever la main pour qu'on puisse vous saluer? Bonjour, bienvenue, bienvenue. Surtout, si vous avez des questions sur l'Église, n'hésitez pas à demander à chaque personne qui a un petit cordon rouge autour du cou. Et puis, si jamais vous le souhaitez, vous pouvez aussi récupérer à la fin de la réunion à l'arrière, un petit sachet bienvenue, avec dedans l'agenda de l'Église, et puis également toutes les informations sur les différents groupes qu'il y a, comment on fonctionne, qui on est, etc. Donc n'hésitez pas à demander votre petit sachet. Tout de suite, les informations de la semaine. Donc toute cette semaine, à 19h, il y a réunion de prière, donc ça se passe ici. Et surtout, si vous n'êtes pas disponible, vous pouvez quand même inscrire vos sujets de prière sur les petites cartes qui se trouvent
en bas à l'accueil ou au niveau des affichages à l'entrée. Et aussi, mardi à 14h, nous avons la réunion de prière des femmes, comme d'habitude. Jeudi, ça sera vie de l'esprit, 100% louange. Donc surtout, n'hésitez pas à venir profiter de ce temps de qualité avec nous. Il faut être à l'heure, puisqu'il y a très vite plus de place du tout. Donc n'hésitez pas. Les groupes connexion, si vous n'avez pas encore rejoint de groupe connexion, vous pouvez trouver celui qui est le plus proche de chez vous en bas à l'accueil ou alors sur le site internet. Les inscriptions aussi, c'est soit sur le site, soit en bas. Alors, ce midi, c'était repas, riz et saucisses. Donc, n'hésitez pas, il reste des plats à emporter, vous pouvez les prendre. Donc, à emporter la barre Ketzel, c'est 3€. Sinon, après, sur place, c'est 5€ pour les adultes, 3€ pour les enfants, avec boissons et desserts. Donc, n'hésitez pas, il en reste un petit peu. Et vous pouvez toujours nous suivre sur YouTube, Twitter, Facebook et le site internet de l'église. N'hésitez pas. Alors, nous allons passer par les offrandes. Donc, si les personnes désignées peuvent s'avancer. Et puis, on va prendre aussi un dernier chant. Bonne semaine. On va se lever, toujours dans la joie. 1, 2. On va se lever, on va prendre ce chant de réjouissance. Je me réjouis dans le nom du Seigneur. On se réjouit quand on donne, on se réjouit même quand on n'a rien à donner. Ça marche toujours. Amen. Voilà. Donc on va se réjouir dans le nom du Seigneur. Je me réjouis dans le nom du Seigneur. Je me confie dans le nom du Seigneur. Oui, je lève les mains. Je lève les mains dans le nom du Seigneur. Je danse de joie. Je danse de joie dans le nom. Yeah.
Cher ami, j'espère que ce message vous a fait du bien et que Dieu vous a parlé pendant que vous regardiez cette vidéo. Vous avez décidé de vous approcher de lui, n'hésitez pas à aller plus loin. En tout cas, si vous passez en région parisienne, vous êtes le bienvenu ici à MLK, à l'un de nos 5 cultes. Si vous désirez nous suivre sur églisemlk.fr, vous aurez accès à tous nos messages. Également sur la chaîne YouTube ou encore sur Facebook. Vous êtes le bienvenu à chaque fois. C'est un plaisir de vous recevoir. À très bientôt, j'espère.